Et salut à tous, c'est Jokavex. On se retrouve ce soir pour une petite découverte de Conan Exile. Bon, c'est pas vraiment une découverte, j'avais déjà un petit peu joué à la bêta. Donc c'est une redécouverte, quoi. Donc on va se commencer un petit perso à zéro et voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai pris un serveur PvE au pif, un serveur français et voilà. Hop, on s'en fout du nom. On laisse la petite intro. Cette voix de bonhomme, quoi. Ouais, elle avait quand même des pieux dans les mains et elle arrive à prendre la truc pour boire tranquille, quoi. Mais non, je vais m'en sortir. La petite tempête de sable. Alors que je me rappelle de tout, tac, ok. Donc qu'est-ce que c'est que Conan Exile? C'est un jeu de survie dans l'univers de Conan, comme le nom l'indique. Donc le but ça va être de récolter des cailloux par exemple. Des plantes. Hop. Et avec tout ce qu'on récolte, on va pouvoir se crafter ici des trucs. Par exemple, un pantalon, histoire de plus être à poil.
se crafter déjà un petit équipement. Ensuite, le but, ça sera de se faire une hache et une pioche. Une hache pour pouvoir se battre, une pioche pour pouvoir miner un peu des cailloux, quoi. Il faut que je trouve des branches. Des petits ralentissements, j'ai l'impression. Je vais regarder ce qui se passe. Déjà, hop. Je suis pas en haute qualité des graphiques. Bon, on va voir. Ouais, je m'en sais plus qui est un peu à fond là. Mal foutu ce truc. Donc on récupère une petite gourde. Donc en haut à gauche, il y a les différents états du perso. Donc s'il a soif, s'il a faim, s'il porte trop de trucs et s'il a trop chaud. Donc le but, bah, c'est essayer de tout le temps être à fond. Ah, une petite branche. Je vais pouvoir me faire ça. Voilà, j'ai une petite hache déjà. On va suivre la voie qui est plus ou moins ensevelie. Au début, il faut pas mal récolter tout ce qui bouge, hein. Il y a une grosse bestiole qui se barre. Hop, on récolte un peu tout. Donc, je commence à avoir un peu soif. Donc là, le mec, il a un stuff complet, mais on peut pas lui prendre. Un peu du cheat. On commence à avoir un peu soif. Hop. On va voir la flotte qu'il y avait dedans. Avec ma petite hache, maintenant je peux couper du bois. Et avec ça. Non, ça je peux pas. Ça, je dois pouvoir, je peux miner ça.
Ensuite, il y a un système de niveau. Ouais, c'est là. Donc là, je suis niveau 4, du coup, j'ai gagné 3 points d'apprentissage. Et donc, à chaque fois, on peut utiliser ces points pour apprendre des nouveaux trucs à crafter, par exemple. Donc, ici, là, je peux apprendre en construction ça qui va me permettre de construire la maison, les maisons de pierre. Enfin, de. Ouais, ici, de pierre, on va dire. Donc, c'est la maison la plus basique. Et le fait d'avoir ça, ça va me débloquer la possibilité ensuite de mettre des points là-dedans. Donc ça coûte un point, donc on va le prendre tout de suite. Alors, une grosse bestiole, mais elle est pacifique. Maintenant, je peux construire une maison. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est faire des fondations. On va en faire 5 indirect. De toute façon, il va nous en falloir plein. Un peu de tout. Ah, j'ai plus trop de place par contre. Je commence à être un peu encombré. Au niveau des fondations, c'est surtout de la pierre qu'il me faut. Ah, là je suis sur-encombré. Hop. Alors normalement il y a une plage dans le coin, donc on va faire la première maison relativement proche de la plage quand même. Ah, le petit monstre. Alors lui il se fait exploser, lui. Il se fait pas exploser par contre. Personne d'autre pour le moment, c'est bon. Donc là-bas il y a la plage, il y a un petit lac. Donc je pense qu'on va se faire une petite maison pas trop loin du lac. Ici ça peut être pas mal. Alors, on va se mettre des petites fondations. Que je vais mettre là. Ah, si, ok, bizarre. C'est bizarre que je vais pas les mettre là, une fondation. On va se faire des petits murs. Il nous faut de la caillasse. On continue à récolter un peu. On est vite encombré. On peut augmenter aussi les attributs, donc la force, l'agilité, la vitalité, etc. Et surtout le fait d'être encombré. Donc on va mettre quelques points là-dedans. Parce que sinon c'est vite chiant. On va mettre 3 points. Ça m'a l'air pas mal. Ça permet de porter un peu plus de bordel. Assez de fondation.
Hop. Et ici. Ensuite, on va se faire une petite porte. Ah, ça me faut, c'est ça. Et voilà, là on est pas mal. Bon, maintenant il nous faut un toit. Déjà, on va poser le petit truc là. Ça permet de, si on meurt, on respawn ici. Sachant qu'on peut mourir quand même un peu bêtement dans ce truc. Ah, j'ai la dalle. Pour l'instant j'ai pas grand chose à manger à part des petites fourmis là. On va bouffer des fourmis. Pareil, j'ai un peu soif, on va aller dans l'eau chercher à boire. Voilà. Là, on est pas mal. Non, j'ai encore faim. Je trouve une bestiole. Après, il y a cette bestiole là qui est en train de dormir, donc je pense qu'on va la tuer, on va la bouffer. Oh, ouais, non, elle est un peu forte, en fait. Non, en fait, non. Je pensais qu'elle serait moins forte. Ouais, là, là. Je vais aller dans ma maison. Je fais si ça me protège, j'espère. Ouais. Je sais plus si on peut faire des escaliers ou pas. Non, je trouve pas les escaliers. On a dû me désaggro normalement. Ouais, c'est bon. Bon, par contre, il est réveillé maintenant. Mauvais plan. Alors, on peut pas manger des graines. Ah, il y a un bébé. Crève. Est-ce que ça m'a donné de la viande? Non, même pas. Ah, on peut manger des asticots aussi. Ah, je vais manger un asticot. You, yeah. Ça me remplit pas trop le ventre. Hein. Un petit peu. Donc qu'est-ce qui me manque du coup pour faire un toit? De la pierre, comme d'hab.
Là-bas, il y a un croco, là, faut faire gaffe. Ils sont assez forts, hein, pour le début. Je pense pas que j'arrive à le tuer à mon niveau. Donc on a dit ça. Il va falloir combien? C'est pas mal que je me fasse un petit feu de camp aussi. Oh, on peut pas le faire encore. Ça j'ai déjà. Donc tout ça j'ai déjà. Ouais, voilà, on fait un feu de camp. Hop. Qu'est-ce qu'on va débloquer d'autre? Le bouclier, ça peut être pas mal. Les haches. Ça bug encore un peu. C'est chiant. Est-ce que c'est mieux là? Ça a l'air un peu mieux. On va tenter comme ça. Ouais, bof. Si, c'est bon. Donc j'en étais à faire. Donc j'ai ça, c'est bon. J'ai mon toit. On va se faire une hache. Enfin, ou une épée. Ça ressemble pas à grand chose. Et un petit bouclier. Tac. Ok, mettre le toit, tac. Bon, normalement on est protégé. On va se mettre le petit feu de camp. Hop. Je sais pas si j'ai des trucs qui peuvent cuire là-dedans. Si je fais ça. J'ai pas de viande encore. Non, j'ai rien qui cuit apparemment. Ah, c'est déjà plus mal là. On peut rien récolter comme ça.
voler quelques œufs. Discretos. Je sais pas si on peut les manger comme ça, les œufs. Ah, si, ça a l'air bon. Il y a des pas beaux. Il y a un arc. Mais clash. Je crois que c'est clash qu'on peut dépecer. Ah, il avait un truc là, c'est quoi ça? De l'eau. La nana est passée où? Ah, j'ai pas loot le corps assez vite. Prenons du caillou. Donc voilà, ça c'est la map. Donc nous on a démarré là. On en est ici. Et la petite maison là qu'on a faite, elle est ici. Et encore tout ça à explorer. Alors on a pris un petit niveau. Je sais pas quel niveau on est là du coup. C'est où? Niveau 11. Ah, on peut débloquer des nouveaux trucs. Ça c'est cool. Tac. Taxidermiste. Ça sert à rien ça. Prendre ça plutôt. Ah, puis ça surtout. Faire des nouvelles armures. J'entends plein de bestioles qui hurlent là, je sais pas ce que c'est. Limaces. Ça fait toujours plaisir les petites limaces. Je suis en train de souffrir là. Alors, du coup ça sert à rien de mettre ça dedans. On va récupérer tout ça. Tac, tac. Et on va faire cuire la viande. Aussi de cuire ça. Ah, c'est en bas qu'on peut voir s'il y a des trucs qui sont en train de se faire crafter. Alors, ça c'est cuit, ça c'est cuit. Donc on va se manger la viande humaine. Qu'est-ce qui donne le plus? C'est pas mal ça. 75. Là je suis à 100, c'est bon. Ah, je suis plus de place. Donc qu'est-ce que je peux crafter maintenant? Ça pour faire des armures. Alors il faut 3 tonnes de trucs. J'en vais faire ça.
Tout ça, c'est ce que j'ai déjà. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Un marteau de réparation, ça peut être utile. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a que des trucs qui nécessitent. Ah, ça nécessite que du bois. Donc on va aller se chercher un peu de bois. Là, par contre, je suis encore complètement encombré. Hein. J'ai combien de points là? 11 points. Voilà, donc là on est bon, on va se mettre un peu de force, un peu de vitalité, un peu de survival. Alors, il me fallait combien de bois? 140. Ah non, 40. Bon, c'est bon. Donc, lui, il en faut 160. Donc, 185, ça c'est bon. Il me faut des cailloux. Et voilà, hop. On va se mettre là. Tac. Et lui, on va se mettre là. Par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Porte se ferme toute seule, apparemment. On peut faire que des trucs qui servent à rien. Ok. Et là-dedans, on peut faire les armures. Donc il faut du cuir. À me faire avec mon cuir. Ça c'est exactement la même chose, ok. Ok, donc pour l'instant, je sens que je ne peux rien faire là-dedans. C'est clair. Ok, très bien. Alors on a ni faim ni soif, donc c'est bon. Donc j'ai crafté ça et ça. Ça, j'ai pas assez. Toutes les branches, là, ça ne sert à rien, on prend du poids pour rien.
story un peu. Alors, est-ce qu'avec ma super hache là, je peux le tuer lui maintenant? Putain, il se rappelle de moi, pardon. Et bim. Voilà, on a looté évidemment. Si on prend ça. Ça me donne pas de viande. C'est chiant. À peine j'ai piqué ses œufs. Là, la nuit tombe, on va aller récupérer un peu d'eau avant qu'il fasse complètement nuit. Un petit peu de bois. Alors, on va se crafter une torche du coup. Même deux, allez. Ça, on s'en fout. Des asticots. Bon, d'ailleurs, c'est bien, on va pouvoir mettre ça dedans. Hein. Voilà. On aura moins de place. Ça, on peut le mettre là. Les os. Je sais pas quoi en faire, on va les mettre là. On est niveau 13 et on a un paquet de points de dispo. Ça coûte 2 points, ça c'est bon. Ensuite, on va se faire ça. Hop, 2 points. Bon, à chaque fois c'est 2 points, ça va 2 points, c'est pas grand chose en fait. On va faire un arc. Ah, je peux pas faire de flèche là. Faut que je tue un piaf. Ressemble à quoi ça? Ah, on peut faire des épées à deux mains aussi. Et des piques. Des trucs qui se jettent là. Voilà ça. Ça se lance. Ça. Non, parce que du coup j'ai un arc mais j'ai pas de flèche, ça sert à rien. On va mettre ça. Alors, je vais peut-être pas manger les champignons là, ils m'inspirent pas confiance. Il y avait un croco tout à l'heure ici.
Et il est toujours dans le coin. Il est là. Ouais, j'ai pas trop envie de l'attaquer de nuit en fait. Ça la lance pas. Non, faut me laisser tranquille, monsieur. On attend la sortie maintenant. C'est bizarre, ça lance pas la... Oh la vache! Non, non, non! Ah ouais, il est full life, ok. On se barre. Ah oui, on me fait tomber en plus. J'aide un peu. Bon, c'est chiant s'il reste planqué devant. Mais on doit pouvoir faire quelque chose de ça, c'est bizarre quand même. Comment je fais du cuir? Ah oui, il lâche pas du tout l'affaire en fait. J'ai plus ma lance. Hop. Allez. C'est bizarre ça. Pas de dégâts du tout. Est-ce qu'on va aller dans Monster Hunter là? Ouf. Mais merde.
Tiens, bouffe. Ah, il m'a touché, merde. Yes! Je l'ai eu. Ah, du coup, si je fais que ça. D'accord. Si je fais que ça. Ok, ça me donne pareil. Bon. En tout cas, c'est bien, ça me donne un paquet de viande là. Bigle là ou. Ah non, il m'a mis là. Tac, tac. Faut régénérer un peu là. Niveau 14, j'ai combien de points? 6 points. On va continuer à en mettre un petit peu dans chaque. Agilité. Ah, ça peut être pas mal d'avoir de l'endurance en plus. Ici, on a tout. Bon, voilà. Ok, la map, on est toujours au même endroit, non? Quoi ça ressemble ce truc? Oula. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. D'accord. Si je m'en fais un là. Ah bah non, du coup c'est pas le bon sens, merde. Voilà, si on s'en fait un comme ça. Je suis c'était lequel, c'était lui. Si on fait un comme ça. Ici on met ça. Si je veux faire un toit maintenant, c'est ça qu'il me faut quoi. Ah non. Attends, mais il n'y a pas qu'un sens. Il se met pas dans le bon sens. C'est pas con ce truc. Je ne comprends pas.
Ça aurait marché pourtant. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Peut-être parce que j'ai mis un toit déjà, un toit plat. Voilà, on va s'en servir de. Ah non, il veut pas. Il veut vraiment pas. Même de l'autre côté, il veut pas non plus. Non. C'est pas grave. Bon, on a tué le petit croco là. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau? On plonge. C'est. Faut que je fasse un peu gaffe où je vais, que je me rappelle comment rentrer chez moi. Trop bien. Je prends ça aussi. Et je te dépece. Hop. Ah, c'est pas mal aussi ça. J'aimerais bien aller là-haut sur le village, là. Quoi encore. Hein, ça suffit. Il faudrait que je bouffe un truc. Tac. Ah, il y a deux animaux là. Des espèces de biches. On va les chasser avec ça. Raté, raté. Non! Plus de stamina, la tristesse. Bon, en fait c'était carrément mieux de faire le campement ici là. Voilà. Ça. Ah, une tête de gazelle. Très bien. Ah, les vignes là, c'est un truc qu'il me faut, je crois. Ah, je suis encombré. J'ai beaucoup de bois quand même. J'ai beaucoup de graines aussi. Hop. Ce serait pas intelligent de se refaire une petite maison ici. Est-ce que j'ai de quoi faire? Ah, j'ai pas beaucoup de bois du coup. Bah si. Mais non, c'est les pierres qui manquent. Mais
ça là. Alors où est-ce qu'on se fait une maison? Là, il y a le campement ennemi. Là, il y a la plage. Ah, on l'oublie. On va aller sur les hauteurs là. Ah, ici ça m'a l'air un bon plan. On a vu sur la vallée, c'est parfait. Alors dans quel sens on va la faire? Comme ça. Comme ça. Tac, tac. Mais c'est chiant. Il faut de la pierre. Il va falloir plein de pierres du coup. Je sais pas quelle taille je la fais la petite maison. On peut faire une maison qui va un petit peu sur le vide. Petite terrasse quoi. Plus de ressources. C'est quoi qui me manque cette fois? C'est encore de la pierre. Hein. Il faut en plein de la pierre. Deux et ensuite il me faut des murs. C'est des murs, c'est des murs, ça va des murs. On va faire 10. Bon, là, le but du jeu ça va être de pas se casser la gueule. On a pris un petit niveau au passage. On va se faire ça. On a pris qu'un. Ah, mais c'est pas un mur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai fait une fenêtre, quel con. Bon, c'est pas grave. On a des fenêtres partout. Faut un peu de luminosité dans ces maisons. Voilà, et une porte, tac, il me faut des cailloux encore. Voilà, ça te chante. C'est que j'ai laissé pas mal de trucs dans votre maison. Salut King Joe TV. Bah, je peux rejoindre ton serveur si tu veux. Moi j'ai rejoint un serveur au pif là donc je suis pas attaché plus que ça au serveur. Bah là je commence à peine à jouer donc je sais pas, je vais jouer une ou deux fois par semaine. À mon avis. Je découvre le jeu, hein, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, si ça va me plaire sur le long terme.
Toc. Ah, je peux pas le mettre là. Je mets pas. Pourquoi juste entre les deux là, je peux pas le faire. Ok, c'est un peu dans le vide là quand même. Bah ouais, je veux bien, tu me passes ton serveur si tu veux. Tu me l'envoies en message privé. Comme ça, j'irai faire un tour. C'est un serveur PVP ou PVE du coup? Chiant, je peux pas le faire là. Et si je triche et que je fais un toit. Hop, et voilà. Je commence à avoir un paquet de bordel là. Il faut du bois et du machin. C'est quoi ce bruit? Merde, ma hache est cassée. On leur fasse une du coup. Ok, merci. Bah, j'irai faire un tour sur ton serveur. Ça dedans. Ok. Bah, de toute façon, je te dis, hein, si je m'y mets, du coup, je viendrai sur ton serveur. Si je m'y mets ça un peu plus sérieusement, je viendrai sur le serveur où t'es. Là, c'était la première session, là, je voulais un peu découvrir le truc, voir comment ça fonctionne et tout. Level 33, moi, je suis combien, niveau 15?
Ok, pas de problème, merci. À bientôt. Ça, alors ça va manger un petit coup. On en est où de la flotte? On est à la moitié quand même. Bon, ben on va boire un coup. Tac. On met du bois. Ça. Ah, ça coûte rien de la réparer du coup, la hache. J'ai l'impression. Bon, j'en ai plus besoin de toute façon. Tac. Je la fous plutôt dans le coffre. Alors, du coup, on était à crafter. Ah, bah si, je peux faire des flèches en os. On va attendre que le jour revienne là. On va peut-être attaquer le village. Où s'arrêter lui? Aussi, elle s'est cassée. Je sais pas si c'est utile de faire un toit en fait. Est-ce que ça a un intérêt de faire un toit? Tiens, déjà on va réussir de faire ça là. Voir si on s'en sort mieux que tout à l'heure. Ah, en fait, je pense qu'il veut pas les faire dans les angles, il faut faire un truc spécial dans les angles. Genre ça. Si je fais ça. Il est où? Il est là. C'était pas le bon. C'est dans ce sens, non? On n'arrive pas bien à voir là. Ah merde, il y a une tempête de sable. Ouais, je suis pas protégé chez moi. Ah, je vais crever comme un caca. Je suis mort comme une vieille merde. Juste par un.
Ouais, une tempête de sable, d'ailleurs, je vais recrever là. Ah ouais, mais je peux pas. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse? Je suis obligé d'attendre en fait. Ah si, je suis protégé là. Ah, faut se mettre derrière un mur qui nous protège de la tempête. Bon, ben on va bouffer des asticots. Petite bestiole. On va essayer de récupérer de la vie un peu. Si, c'est fini. C'est fini. Je me refais un comme ça. Ici, du coup, tac. Voilà, c'est pas mal là. Par contre, au milieu. Il y a un trou au milieu là, non? Bon, du coup, mettre des fenêtres partout, c'était pas le bon plan. Ah génial, je peux me nourrir de moi-même. J'ai 3 milliards de ça. Ça va là. Ah oui, je m'en suis fait 35 quand même. On va prendre ça. On va bouffer ça, un petit peu d'asticot. Alors pourquoi j'ai plus de place? Parce que j'ai plein de bois. Il serait que je suis mort deux fois du coup. C'est pas des pierres que je veux, c'est des cons. Hein. Hop. Alors. On va essayer de finir le toit quand même. Donc on va se faire deux comme ça et deux comme ça. Ça, on s'en met un. Ici. Un ici. Je vois pas bien. Comme ça. Tac, tac. Il va me voir une porte en fait. Ça me fait toujours peur cette porte qui se ferme toute seule là. Donc ça, on met ça. Dans ce sens, et il y a un vieux trou en haut. Ça a de la gueule cette petite maison. Maison avec balcon, je pense que ça se vend cher ça.
Chez Stéphane Plaza, ça se vend cher. Chargé. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Oh la vache, c'était vraiment pas l'idée du siècle en fait. Non, non, ferme, ferme, ferme. Oh putain, il est rentré. Ah non. Et maintenant le mec il est bloqué à l'intérieur. Ah, cet échec. Tiens, t'es chez moi. C'est mieux que ce que j'ai, ça. Alors attends. Ça fait quoi? Pas enlever. Ah non, c'est moins, c'est mieux. Bizarre ça. Bon, on va regarder lui alors. On regarde celui-là au cas où. Je vais passer où. Bon bah j'ai encore fait défoncer hein. Voilà. Moi ce qui est bien c'est que tous mes cadavres sont dans la maison. C'est reparti, ouais c'est bon, c'est reparti. Pas facile de récup de la vie quand même. Bon, on va s'arrêter là. Petite découverte d'une heure et quart là à peu près. C'est plutôt sympa, c'est marrant. Je pense qu'en groupe ça doit être encore plus marrant. Chacun se spécialise un peu, chacun construit la baraque et tout. Il y aura moyen de faire des belles grosses baraques après. D'attaquer les campements en groupe. Je suis quand même mort 3 fois hein, comme un gros noob. Bon, j'y rejouerai sûrement. Allez, salut, bonne soirée à tous.